Salut YouTube, bienvenue dans la suite de contrôle. La suite de contrôle. On continue donc d'aller chasser les objets altérés. D'aller chasser les objets. Et donc, direction la recherche. Et comme ça, au passage, on va pouvoir évidemment faire les choses que j'avais vues qu'on n'avait pas fait. Les choses, donc, la récupération de documents. La fameuse récupération de documents. Car on aime les documents. On aime lire les histoires. On aime l'histoire. Vive les histoires. Donc évidemment, comme d'habitude, ça va direct commencer par se friter dans la recherche. La guerre. La guerre ne meurt jamais. Tout ça, tout ça. Et ben c'est parti. Ah, il y a aussi un mannequin en confinement qu'on aurait pu faire tant qu'on y était. Du coup, on va peut-être commencer par faire ce mannequin qui est au confinement. Avant tout, allons-y. Où est-ce qu'il est exactement? Paf. Ouais, ce qui m'intéresse, c'est le confinement. Alors ça, c'est la recherche. Le confinement. Ah, mais il est là où je peux pas aller, MDR. Pardon. Pardon, pardon. Allons-y, secteur de la recherche. Nous y sommes. Hop. Allez, c'est parti. Ah oui, ici je dois pas. Ah oui, ici il dit de... Putain, c'est vrai qu'on a aussi la quête d'Harry qui dit « N'hésite pas à parler aux plans. Parlons à ces plans. Bonjour !» Très bien. Ok. Ok, d'accord. Ça va se friter hein, dans quelques secondes. Bon allez, c'est parti. Combat. Bonjour. Non? Ah bon. Putain, faut aller parler aux plantes. Va falloir fouiller à la recherche des plantes à qui je peux parler. Ah. Peut-être? Non, du tout. Bonjour, auriez-vous vu mon ami la plante? J'ai plein de choses à lui dire, c'est ma meilleure copine. Ah bah voilà. Ah. Meurs. Oh le bâtard. Je n'ai pas été assez réactif. Oh. Un mec volant. Je ne le vois plus. Il était là. Ah, je suis tombé. Voilà. C'est bon. Ah, je savais que ça allait se friter. Ah, bonjour madame la plante. Oh, la méchante Hess. Putain. Trop, beaucoup trop cool. Meilleure quête du jeu. Meilleure quête du jeu, parler aux plantes. D'accord. La recherche dimensionnelle. Ah oui, par là-bas, c'est le labyrinthe du cendrier, tout à fait. Le fameux labyrinthe du cendrier. Qu'est-ce qui se passe?
Le jeu? Qu'est-ce qui se passe? Le jeu? Le... Bah non! Alors, monsieur le jeu vidéo, qu'est-ce qui vous arrive? Ah, d'accord. Ouais, ok. Très bien. Bah, c'est un crash. Énorme. Énorme, c'est un crash. Bah, quittons ça. Pas de réponse, ouais, j'ai remarqué, oui. Fin de tâche, MDR. Très bien, c'est un crash. Tout à fait. Et bah, continuons. On est reparti, j'ai envie de vous dire. Incroyable. Ah, décidément de nos jours, vraiment. 32 Go de RAM, une RTX 2080 Ti, tout ça, un processeur i9 9900K, tout ça. Ça ne suffit malheureusement pas à faire tourner les jeux de nos jours, c'est vraiment dommage. Pense qu'il faudrait que j'achète 4 cartes graphiques et 4 processeurs, afin d'avoir un ordi correct. Eh bien, très déçu de ce qui s'est passé. Continuons, faisons genre de rien. Peut-être que le jeu n'a pas aimé que je prenne un raccourci. J'ai voulu cut. Il n'a pas aimé. Est-ce que je dois parler aux plantes? Apparemment non. Par contre, je dois me refriter, ça c'est sûr et certain. Car à force, j'ai compris le jeu. Non? Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Ce qui m'arrange. Ce qui m'arrange. Très bien. Donc, continuons. Des plantes dans les abris, il n'y en a jamais. Hein. Enfin, ça va être vrai qu'il y a un truc à faire dans un abri parce que c'est jamais le cas. Alors, oui. Maintenant, nous pouvons aller aussi également à cet endroit-là que j'avais découvert où apparemment il y a des choses à récupérer. Hop. Nous sommes donc ici. Et donc, là, apparemment, il y a des choses. Des choses à voir. Comme ceci. Voilà. Ici nous avons quelque chose. Ok. Je sens de moins en moins quand même, darling. Ça pue quand même vraiment la grosse. Je sens que quand on va le retrouver, ça va être. Ça va. Il va pas nous faire wesh bien ou quoi. Je t'attendais plus longtemps. Et... Je te kiffe. Non, je pense que. Je pense plutôt qu'il va nous embrouiller. Paf. Ici nous avons un document. Ah oui, donc multimédia, oui, je l'ai vu. La RP de grande taille, tout à fait. Darling, désaccord avec Underhill. Avec Underhill. Cher docteur Darling, j'estime nécessaire de vous informer de la documentation plus que douteuse qui se trouve dans le bureau, sur le bureau d'Underhill. Il est évident qu'elle ne comprend rien à la mousse. Elle prétend que des micro-organismes sont à l'origine de l'édification de la mousse. C'est ridicule. C'est un champignon à croissance rapide, pas très différent du kudzu.
Elle crée de la complexité pour justifier ses demandes de budget exorbitantes. Et puisqu'on en parle, je trouve intéressant qu'une de vos vieilles amies obtienne son budget sans aucune difficulté. Le comité de surveillance des opérations pourrait trouver tout ça absolument fascinant. Admirativement vôtre, Dr. Abraham Lewis. Très bien. Je prépare mon gun en mode comme ça parce que j'entends les bêtes. J'entends les créatures qui sont juste là derrière. En fait, il n'y avait rien d'autre. Il y avait un document et puis voilà. Bon, ici par contre, ça sent la bite. Je vais monter parce que je sais pas où ils sont. On entend des choses. On ne sait pas où elles sont. Très bien. Procédure du maillet. Quel délire. Alors, encore un nouvel objet bizarre. Il s'agit d'un maillet. Qu'est-ce que c'est? Un maillet de foire. Conformément à la circulaire 8.A des archives, ce document a été modifié pour satisfaire les normes administratives en vigueur. Certains termes peuvent être désuets. Procédure de confinement. À ce jour, il n'existe aucune méthode permettant de contrer l'effet thaumaturgique de l'objet. Pour éviter l'infection, il est nécessaire de porter des gants de sécurité pendant sa manipulation. Description. L'objet est un maillet de jeu de foire, jeu de force. Sa tête est fichée sur un long manche. L'objet transmet une maladie inconnue à toute matière organique avec laquelle il entre en contact. Les effets de cette maladie sont similaires à la lèpre, mais se manifestent bien plus vite. En quelques jours, des pertes de tissus se produisent dans les membres, dans la région proche du point de contamination. La maladie en elle-même n'a provoqué aucun décès, mais les surinfections en ont provoqué plusieurs. Oh, ok, horrible. Horrible, un maillet qui donne la lèpre. C'est hoche. Donc on est là-haut où il y a un poste. Du métal. Très bien. Peut-être un CD dont quelqu'un était fan. Et se sont dit, je vais le mettre dans le jeu. Il n'y a rien d'autre. Le labo chelou, en tout cas. On va ressortir. Très bien, eh bien, ceci c'est fait. Paf! Hop, on va pouvoir redescendre. Ici. Hop. Continuons de chercher des plantes à qui parler. J'en suis là, quoi. J'en suis à chercher des plantes à qui parler, quoi. Le chariot du mec, le chariot de Aziz. Non, je sais plus comment il s'appelle. Le chariot du mec de la maintenance. Comme d'habitude. Chariot qui a l'air de stepper. Putain. I have a brother. Très bien, très. I miss him a lot. Oui. They say I'm the director, but what does that mean? I have no experience in leadership roles. I have no on-the-job training. Ah, ça y est, elle commence à se confier aux plantes, quoi. Ça y est, les plantes commencent à devenir ses méga potes. Et là, on remontait là, donc ça ne sert à rien. Excusez-moi. Très bien. Faisons le tour par. Ah non, là, c'est le labo du son. Si mes souvenirs sont bons. Je pense pas qu'il y ait une plante par ici. Je revérifie au cas où. Allez, cours.
Hop. Donc après on ira là en bas rejoindre ma pote de la recherche. Est-ce qu'il y a une plante à qui parler Excusez-moi, je cherche une plante à qui parler. Il y en a peut-être une du côté des toilettes. C'est possible. Petit tour. Non. Et petit tour par ici. Très bien, c'est non. Ok. Est-ce que si je regarde sa quête, ça me dit que c'est que ici? Parce que tant qu'on est là, ce serait dommage. Dans le secteur recherche. Fais voir la carte. Ah non, ça serait apparemment que par ici. À quelle plante je pourrais ne pas avoir parlé? À quelle plante je pourrais ne pas avoir parlé? Si j'aurais tout parlé, ok. Ici j'aurais tout parlé. Ah. Très beau compliment. Et ben voilà, on a parlé aux plantes. Parfait. J'ai réussi à me TP jusqu'ici. Yes. On m'appelle le magicien. Ah, yes. On a débloqué des capacités. On a deux. On pourrait. Non, mais bouclier, je m'en fous. Et saisir aussi. Donc, eh ben, on n'en fait rien. Par contre, on a niqué ça. Yes. On récupère ça. Invasion de la recherche. Ah, avec lancé, c'est chiant. On va prendre ça. Ça, ça me paraît bien. Très bien, donc ça on s'en est occupé. Il y a un document dans le labo extrasensitivité. Il est là-bas apparemment. Donc peut-être que je peux aller me TP genre. Ah ben attendez. Non non parce que au passage. Au passage on a des missions à faire. Comme les évadés de Langston. Et pour ça je pense qu'il faut retourner en bas. Bon j'espère que ça va pas replanter quand je vais redescendre. C'est parti. Et pour y aller, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le chemin normal. Tout simplement. En prenant le chemin normal, on devrait pouvoir y arriver assez facilement. C'est-à-dire direction ici, la parapsychologie. On va faire comme si on faisait le circuit. Comme si on faisait le circuit normalement. Très joli bon. Paf paf. On arrive en parakinésie psychologie. Et le labo d'extra sensibilité, il est tout droit. Il est juste en face.
Mais ça sent la bite cette zone. Et bah non, tout s'est pas passé. Parfait. Ah oui, on arrive là, et le labo d'extrême sensibilité. On y arrive. Parfait, c'est par ici. Donc ici, apparemment, on aurait un document à récupérer quelque part. Ici, c'est une télé. Tout à fait. Là, il n'y a rien, je ne vois rien. La télé, c'était un dessin animé qu'on avait vu. On arrive ici. Ici, on peut venir là. Ici, on n'a rien du tout. On arrive ici. D'accord. Ah bah attends, il y a un labo là où c'est peut-être là que ça m'intéresse, non? J'ai cru voir un labo. Oui, ici. Mais non, je n'ai pas accès. Peut-être que le document est plus loin. Nous sommes donc ici. Ici, rappelez-vous. Rappelez-nous, nous avons affronté une boule. Une de ces boules de papier étranges. Dont on ne connaît pas encore la fonction. Ah. Ah non, là je retourne en parapsychologie. Ah, donc j'ai loupé le document. Zut. J'ai écrit, hein, comme quoi il y en avait un quelque part au labo d'extra sensibilité. Par contre, va falloir le retrouver. Où est-ce qu'il était, ce con? Où est-ce qu'il était, ce document de ses morts? Où est-ce qu'il était, ce document? Ça y est, ça devient infernal. Putain, il était où, votre document de mort? Ah non, là, on revient là. À moins que ce soit par là, et en passant par là-haut, peut-être. Aïe aïe aïe, j'ai noté qu'il y avait un document par là. Hein. J'ai noté qu'il y en avait un. Va juste falloir le trouver quoi. Où est-ce qu'il était? Je n'en ai absolument pas le souvenir du tout. Télé de mort quoi, mais sinon... oui... D'accord... Putain, où est-ce qu'il était? Où est-ce qu'il était? Ici, on peut appuyer sur un bouton. Ah, ça referme là. Très bien. C'est pas très utile. Putain, mais où est-ce que j'ai vu un document? Où est-ce que j'avais vu un document ici? Non. Ouais, ça serait pas là-dedans, comme un connard. Il faut réussir à y aller.
Non, pas du tout. Bah écoutez, j'en sais rien en fait, d'où est-ce que j'avais bien pu trouver un document ici? Donc tant pis, on va avancer, ça va se friter. Hein. On a entendu... Ah! Oh! Très bien. Eh ben j'arrive. Apparemment, faut aller le chercher. J'ai fait de ce pas. Alors à moins que le document était ici, comme un compte, j'ai noté que c'était là-bas, alors que pas du tout. Ah, ou alors c'est là. Attendez. Yes, c'est ici. Voilà, regardez, on s'en sort. Paf. Une correspondance. But des caissons d'isolement. Et c'est Darling. Certains d'entre vous se demandaient pourquoi j'ai fait installer des caissons d'isolement. J'ai décidé de lever un coin du voile. Vous avez peut-être entendu parler du docteur Yoshimi Tokui, l'homme derrière les très populaires bandes d'expérience d'imagerie guidée. Apparemment, ces bandes possèdent des qualités méditatives des patients anormales et créent d'authentiques visions hallucinatoires chez certains sujets. Du moins, c'est ce qu'indiquent les rapports. Ces caissons vont nous servir à des expériences avec les bandes du docteur Tokui. Et puis, ils pourront toujours servir à leur relaxer le personnel. Après tout, nous aurions tous bien besoin de rester seuls, isolés dans un endroit sombre, pas vrai? Si vous avez d'autres questions, passez donc à discuter dans mon bureau. Vous savez où il se trouve? Pardon. Pardon pour ce roux. Très bien. Et on en a ici aussi. Ça étudie des trucs. D'accord. Ça étudie quoi? Des cartes. Ça étudie des cartes. Très bien. Explication. Qu'est-ce qui se passait ici? Enquête sur le docteur Tukui. C'est l'agent Lisa Kinum, enquêtrice externe. Docteur Yoshimi Tokui, un citoyen japonais résident à Tokyo, a produit une série d'enregistrements audio d'expériences d'imagerie guidée qui ont acquis une popularité non négligeable dans le monde entier. Cette progression rapide, cumulée au rapport de Nier, saisissant qui accompagne l'utilisation de ces enregistrements, nous a décidé à demander au personnel du secteur des enquêtes de vérifier les antécédents du docteur Tokui. Nous n'avons trouvé aucun incident impliquant une altération ou de preuve d'une collaboration avec une organisation altérée. Cependant, des agents ayant assisté à une séance de signature ont signalé Nien pendant qu'ils écoutaient parler le docteur Tokui. Nous recommandons que l'équipe de recherche obtienne un enregistrement audio du docteur Tokui et accomplisse toutes les analyses pertinentes. En s'appuyant sur leurs résultats, le secteur des enquêtes déterminera la suite des événements concernant le docteur Tokui, ainsi que son éligibilité au programme de candidat primaire. Très bien. Donc voilà des questions d'isolement. Apparemment. Si j'ai tout pigé. Ouais, ça j'avais déjà récupéré. Ok. Très bien. On revient donc ici. Alors. Maintenant qu'on est là, et bah tout simplement... Là-bas, c'est le labo d'hypnose, ça ne nous intéresse pas. On va tout simplement monter, prendre le checkpoint. Merci beaucoup. Et on va descendre. On va prendre l'ascenseur. On va prendre l'ascenseur.
Ding. Ding. Ah non. Oui. Pas ding cette fois-ci. Ça aurait pu faire bip, mais ça ne l'a pas fait. Je suis super déçu. Salut. Donc oui, on est revenu là, tout à fait. Donc direction chance et probabilité en face. Paf, paf. Donc là, on avait rencontré notre pote. Notre pote Marshall avec un milliard de... Tout plein d'objets avec lesquels interagir. Est-ce que ça a eu d'utilité? On n'en sait rien. On va prendre deux trèfles à quatre feuilles. Dans le doute. Et on va mettre ça dans ce sens-là. Voilà. Tout ça me paraît important. Donc si on avait une porte d'accès niveau 5, on y va. J'imagine pas mal de choses à voir. Ouf! Un nombre de trucs. Très bien. Alors, commençons par ceci. Écoutez, on va l'allumer. On va allumer celle-ci aussi, du coup. Très bien. Allumons celle-ci. Très bien, ici on a quoi? Ah, j'ai posé le trèfle à quatre feuilles ici, du coup. Ça sent l'énigme, hein. Ça sent l'énigme. Oh, ça a recrash. Eh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ce jeu là? Pourquoi il crache à mort comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Que rien ne va plus aujourd'hui. Je ne comprends pas. Mon ordinateur qui fait des siennes. Qu'est-ce qui se passe? T'as une mise à jour à faire, quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'emmerdes comme ça? Non bah écoutez, je ne sais pas, je ne comprends pas. Il souffre. Et je ne sais pas pour quelle raison il souffre. On va le relancer, hein, tout simplement. Très étrange, j'ai eu deux crashs en très peu de temps. Bizarre. Bizarre, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas trop ce qui a pu se passer. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Des événements incompris. Très bien, on y retourne. Hein. Donc là, on va juste aller en face directement. Hop. Donc on peut allumer des lampes, poser des trucs là-dessus. Encore allumer des lampes. Ici, nous avons. Attendez, on va commencer par là. Ah, un document. Manifeste des porte-bonheur. Très bien, ça a l'air intéressant. Oula. La carpe coï en bronze fine attire prospérité et richesse. Le fer à cheval en Irlande protège du mal. L'orientation est importante. Éponge vers le haut pour que la chance demeure. Vers le bas pour que la chance s'écoule. Maneki Neko au Japon. Chat souhaitant la bienvenue dans les boutiques. Une patte salue les clients, ce qui attire la chance sur le propriétaire de la boutique. Trèfle à quatre feuilles en Irlande, Shamrock, mutation rare d'une plante, lien avec des rites de guérison druidique. Éléphant en Chine, protection, bonne chance, sagesse.
Ampoule d'hiver. Les rites de jeu connus indiquent qu'il faut allumer toutes les lumières de la pièce pour attirer la chance. Remarque, les effets des objets doivent être éprouvés. Envisagez d'essayer les deux orientations du fer à cheval. Essayez aussi diverses orientations des objets Feng Shui. La proximité des porte-meurs peut avoir une influence sur les relevés de chance. Pour plus d'informations sur les rites, les gestes à accomplir et à éviter, et leur lien avec les troubles obsessionnels compulsifs, voir tel dossier. Très bien. Donc allumons toutes les lumières. Car d'après le jeu, c'est ce qui porte chance. Attendez, on va d'abord faire. Voilà. Non, 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 vers le haut, c'est bien. Il me faut un trèfle à quatre feuilles. Voilà, on l'a récupéré. Là, c'est la carpe. Je pourrais peut-être l'emmener là-bas. On va dire bonjour au chat. Voilà. Très bien. On revient là. On met le trèfle. Voilà, c'est bon, j'ai mis le trèfle. On va allumer les lumières. Clac. 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 Celle-ci est déjà allumée. Ok, je n'en vois pas d'autres. Tout de suite là. Ok. Ici. Deux éléphants. Alors, éléphant et chat, on sait pas. Le trèfle. La truc et la carpe à moins de 2 pieds. Hein? Il faut s'orienter vers le haut. Attendez, le dernier schéma, je comprends pas. Passé? J'ai gagné quelque chose? J'ai réussi du coup? Ah bon? Et si je refais? Écoutez, dans le doute, on va dire que j'ai gagné. Hein? Oh, j'ai gagné. Voilà, j'ai gagné. Voilà. J'ai juste gagné. Trop fort. Je ne sais pas exactement si j'ai gagné ou pas. J'en ai aucune idée. On va dire que c'est gagné. Si moi ça me convient, je pense que ça vous convient. Très bien, on arrive donc ici. Alors, au labo de synchronicité, il y a un truc niveau 6. Donc malheureusement, c'est pas pour maintenant. Ah voilà. Ah putain, reviens la boule. Faut vite casser ces saloperies de boule. Putain, elle est passée où? Oh putain. Ah, saloperie. Oh putain, puis il est où? Il est là-bas. Paf! Mange-toi ça, elle s'est mangée deux poutres. Très bien. Et au niveau de la division des rites, c'est-à-dire là où on est, parfait. Apparemment ici on a un ascenseur quelque part dans un coin auquel on peut aller. Et donc qui nous permettra de... Ah! Ah oui, j'ai gagné des trucs du coup, c'est vrai. J'ai gagné des points de compétence parce que j'ai apparemment gagné. 4 points, bah écoutez, la santé à fond, comme ça, c'est fait. Ensuite, on commencera à avancer peut-être CAC.
Le CAC, ça me paraît bien. Par hasard, je peux rien construire. Et là, bah, ça va super. Bah super, bah c'est super. Bah c'est super, j'ai beaucoup trop de matos qu'on va annihiler, parce que niveau 1 en fait. Très bien. Ici, rien de plus intéressant à mettre. Et bon que j'ai un niveau 5. Ici, on a quoi? Niveau 1, 2, 3 et 4. Tout ce qui m'intéresse, c'est niveau 5. D'ailleurs, je pense qu'on peut détruire tout ce qu'on a là. On va garder que le niveau 5. Parfait. Est-ce que j'ai pas récupéré quelque chose de trop bien, non? Non, très bien. Enculade et totale. Donc par ici, on a le labo, le bureau de l'office des rites. Donc apparemment c'est eux qui écrivent les rites, les paroles à prononcer face à un truc bizarre. Et donc on se retrouve tout en haut. Yes. Et voilà des documents que nous allons lire dans le prochain épisode.